Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission aujourd'hui, on parlera du prochain motocross de Deschambault. Ça a lieu au cours de la prochaine fin de semaine. Mais d'abord, on parle de hockey. C'est ici même, au complexe sportif de Sainte-Foy, qu'aura lieu les 12, 13 et 14 août prochains, la cinquième édition du Bootcamp qui mettra en vedette plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Déjà la cinquième édition, on faisait un petit retour en arrière. Ça a débuté comment, ça, le bootcamp? Bien, à la base, c'est l'idée de Cédric Desjardins, le gardien de but, et sa femme, Marie-Pierre, parce qu'elle, son père, était décédé du cancer. Ils avaient le goût d'organiser quelque chose pour le cancer. Et au lieu de faire un tournoi de golf ou d'autres choses que plusieurs d'autres font, ils ont décidé d'organiser un tournoi de hockey spécial. Je pense que les gens de Québec sont privilégié d'avoir accès à un tournoi comme ça parce que c'est pour de vrai unique en Amérique du Nord. Tous les joueurs n'en connaissent pas un autre. Un tournoi qui regroupe exclusivement des joueurs professionnels, à part les championnats du monde ou la Ligue nationale, c'est un tournoi unique. Je considère que c'est un tour de force d'attirer à chaque année. Les gars ne sont pas payés pour être ici. Ils payent leur chambre d'hôtel, ils payent leur transport. C'est pas nous qui payons ça. Puis d'attirer autant de joueurs à chaque année, je veux dire, d'avoir un ou deux joueurs, c'est difficile. Puis d'en avoir une cinquantaine, imagine. Donc, pour moi, c'est un tour de force que Cédric réussit à faire à chaque année. On donne des profits à la Fondation québécoise du cancer, mais à la base, je ne pense pas que les joueurs viennent juste pour ça. Ils viennent parce que, tant mieux si on donne des profits ensuite, mais ils viennent parce que ça fait leur affaire aussi, parce que c'est le fun, c'est cool, c'est à Québec, c'est une vraie compétition avec des gars de leur calibre. Ils savent qu'ils ne se blesseront pas parce qu'il n'y a pas de mise en échec. Chaque année, de nouveaux joueurs se joignent à toute cette gang-là dont plusieurs reviennent année après année. Il y en a encore de nouveaux cette année. Bien, notre plus gros nom, notre nouveauté cette année, c'est Claude Giroux des Flyers de Philadelphie. C'est Sean Couturier qui joue avec nous depuis quelques années, qui a réussi à attirer Claude Giroux cette année. J'aurais jamais pensé qu'il viendrait un jour au bootcamp, mais il est là cette année. Dans les autres noms, on a Antoine Vermette qui n'a jamais joué, qui joue pour la première fois au tournoi d'Anneau du Canadien de Montréal. Pour la première fois, on va avoir trois joueurs actifs du Canadien de Montréal qui vont jouer au bootcamp dans la même équipe. Antoine Vermette, ce sera ta première participation au bootcamp? Oui, une grande première. C'est pas parce que Cédric me l'a pas demandé. On s'entraîne ensemble. Je trouve que le concept est extraordinaire. C'est très relevé. J'ai jamais eu la chance de voir ça. Mais non, les gars se préparent en conséquence. Puis évidemment, on a tout un côté compétitif. Donc ça, je pense qu'il y a une saveur de plaisir qui est là-dedans. Donc ça doit être effectivement un jeu relevé. En espérant que ça va être apprécié de tout le monde. C'est vrai qu'à chaque année, il fait des sort des lapins de son chapeau, des très, très bons joueurs. Puis c'est pour ça qu'il faut venir voir ça la fin de semaine, dans deux semaines. On a perdu en finale l'année passée. Je suis là depuis le début, j'ai pas réussi à gagner. Donc les gars, on est tous compétitifs, on veut tous gagner. Puis j'espère que cette année, ça va être la bonne. De voir les gars de la région de Québec, tout le monde, on se réunit ici. Puis c'est un tournoi vraiment difficile. Pour le corps, puis ça fait un bon entraînement. Puis non, c'est probablement une des fins de semaine le plus fun à Québec. Là. Ça va être du 5 contre 5. Seulement deux necks cette année. L'an passé, c'était 3. Fait que c'est quand même une grosse différence. Non, il y a des grosses équipes. L'équipe qui ont gagné l'an passé ont vraiment encore une meilleure équipe cette année. Fait que je pense que ça va être difficile de les déloger cette année. C'est Antoine qui remplace un peu Patrice Bergeron pour le tournoi. Fait qu'eux autres vont encore avoir une équipe compétitive. Fait que je pense que ça va être le fun. Comment ça se déroule? C'est 6 équipes. Les équipes ont 3 matchs d'assurés, de garantie, du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et les 2 équipes qui ont le moins de points après ces 2 journées-là sont éliminées à partir du samedi soir. Et le dimanche, c'est les 2 demi-finales et la finale. Donc, il y a une coupe. Moi, ce que j'aime du bootcamp, c'est que c'est une vraie compétition. C'est pas un match amical, c'est pas une pratique. C'est un vrai tournoi. Les gars prennent ça très à cœur.
pour l'avoir vu très souvent après des défaites, là, puis les gars se faisaient éliminer, ils étaient en maudit. Ils veulent gagner, c'est des vrais compétiteurs. Donc, ils sont pas là pour le spectacle. Ils sont là pour gagner, même s'ils font un spectacle, parce que c'est très spectaculaire. Et l'un des participants à ce Bootcamp 2016, Antoine Vermette, a appris une bien mauvaise nouvelle au cours des dernières heures, alors qu'il a été libéré par son équipe, les Coyotes de l'Arizona. Reportage, Stéphane Turcot. Ouais, c'est un choc, là. C'était quand même OK. C'est déstabilisant. Si Antoine Vermette a été saisi par la décision des Coyotes à cette période-ci de l'été, et surtout à 7 semaines de l'ouverture des camps d'entraînement, il n'a pas été totalement surpris. Je m'attendais, je croyais que mes jours étaient comptés avec cette organisation-là, dans le sens que je voyais le virage jeunesse. À peine 24 heures après avoir subi le choc de ce rachat de contrat par les Coyotes de Phoenix, déjà, d'autres formations de la Ligue nationale de hockey ont manifesté de l'intérêt pour Antoine Vermette. 8, selon ses dires. Oui, déjà, quand même plusieurs équipes. Qui? T'appelleras mon agent, Alan Walsh. Okay. C'est supposé être bon, on va voir. Pass across scores! Antoine Vermette. Et le Canadien de Montréal dans tout ça? Bien, moi, je te dis pas non. C'est ce que je pourrais dire. Je crois qu'il y a des gars qui... ils ont peut-être plus de réticence à ce niveau-là pour X, Y raison. Mais pour moi, j'ai beaucoup de respect pour le Canadien, évidemment, tout ce que ça représente. Regardez maintenant qui est la Coupe. C'est Antoine Vermette. On n'a pas le choix de souligner ce moment. Champion de la Coupe Stanley en 2015, auteur de 471 points en carrière et ayant disputé plus de 900 parties dans la Ligue nationale, Antoine Vermette ne perdra pas le sommeil pour autant, même s'il se retrouve pour l'instant sans emploi. La vie continue. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Ça va me donner une autre belle opportunité. Tout le monde est en santé. Personne n'a mort. Je joue au hockey. Fait que c'est bien. Fait que... Sans doute la sagesse de ses 34 ans qu'il a célébré le 20 juillet dernier qui le font parler ainsi. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause, on parle motocross. Équipez-vous pour votre sport préféré avec Go Hockey et l'Esprit Sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit Sportif et vous pourriez gagner 1 000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match du Rempart. Pour une saison gagnante, c'est Go Hockey et l'Esprit Sportif. Les amateurs de sensations fortes seront comblés au cours du prochain week-end alors que sera présentée une autre édition du fabuleux motocross à Deschambault, considéré comme l'événement le plus important en motocross au Canada. On attend plus de 800 compétiteurs. C'est l'un des événements les plus importants au Canada dans le motocross? Oui, surtout cette année avec la venue du grand championnat national amateur. Au Canada, pour faire une histoire courte, tu avais le championnat de l'Eiken de l'Est qu'on faisait, tu avais la grosse finale à Toronto, à Walton depuis 30 ans, puis tu avais le Westken en Alberta. Puis cette année, bien, ils nous ont donné la chance de faire le grand national. On remplace l'événement de Walton à Toronto qui était là depuis 30 ans pour devenir la plus grosse événement de motocross au Canada au niveau amateur. Donc, ils vont couronner des champions amateurs chez nous. Puis, on a le championnat canadien chez les femmes, puis le championnat Rockstar Energy chez les pros avec les meilleurs pilotes professionnels. Fait que tout ça regroupé ensemble sur les 4 jours fait que Deschambault devient la plus grosse événement au Canada. On parle d'un total de 800 participants, ça vient de partout. Oui, justement, là, les gens ont commencé à arriver depuis dimanche, une semaine à l'avance, puis les premiers arrivés, c'était des gens de Vancouver. Une belle petite famille de Vancouver qui est arrivée. Ensuite, on note beaucoup de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Ontario, énormément de coureurs de l'Ontario, des États-Unis énormément aussi. Fait que c'est vraiment là, fun de voir que les gens, là, avec l'avenue du Grand National amateur, ils veulent être couronnés champions chez nous. On va avoir justement là, des gros noms au Canada, des bons pilotes, là, Tim Tremblay, Kevin Benoit, les petits Medaglia aussi, les petits pilotes de l'Ontario, Colton Facciotti. On a vraiment, cette année, on a le niveau de pilotage le plus élevé jamais eu à Deschambault, là, avec l'avenue de Davey Millsap, un Américain, Mike Alessi. On n'aura jamais vu ça à Deschambault, là, du calibre aussi fort que ça là, depuis les 30 dernières années. Là.
Kevin Benoit, tu seras évidemment du rendez-vous de Deschambault. Compétition que tu as remportée l'an passé en classe 250. Parle-nous un petit peu de ta saison jusqu'à maintenant, parce que tu fais le circuit canadien de motocross. Oui, c'est ça. Cette année, je suis rendu en 450. C'est ma première saison dans cette catégorie-là. Ça va super bien. Le calibre est très, très fort. Même, je pense que j'ai jamais été aussi fort que ça au Canada. Le challenge, il était gros pour moi. Puis je me débrouille très bien. Là. Les dernières fins de semaine, j'ai monté sur le podium. Là, une fois à Alberton, troisième. Puis la semaine dernière, Nouveau-Brunswick, deuxième. Donc, le momentum, il est là. Puis je vais essayer d'amener ça à la Deschambault ce week-end. Deschambault, je course à cet endroit là, depuis que j'ai 4 ans. Fait que c'est sûr que c'est un endroit très spécial de courser. Puis il y a beaucoup de fans québécois. Puis la famille, ma famille a la chance de venir me voir courser aussi. Fait que ça fait une course qui est très spéciale. Un coureur de snowcross, ça fait 10 ans que je fais du snowcross aux États-Unis. Puis je course aussi en motocross depuis que j'ai 12 ans. Puis je fais plus le motocross pour m'entraîner puis garder la forme pour l'hiver. Puis, je vais courser en fin de semaine à Deschambault pour le circuit national. C'est pas la première fois que tu courras du côté de Deschambault. C'est un événement spécial pour toi? Oui, écoute, Deschambault, c'est une des places que c'est le plus proche de chez moi. Puis tous les Québécois viennent voir ça. Puis on a la chance d'avoir les meilleurs coureurs d'un peu partout de la planète qui viennent dans notre coin. Fait que c'est vraiment le fun de courser ici au Québec. Eve Brodeur, tu seras au rendez-vous en fin de semaine au motocross de Deschambault dans la catégorie femme pro. Tu es championne canadienne en titre. Oui, bien j'en suis à ma troisième saison que je domine le championnat. C'est la troisième manche cette année. Il en reste deux dans le fond. Il reste Deschambault, puis une autre course en fin de semaine prochaine. Puis encore une fois, je suis en tête. Ça va bien. Puis je vais espérer garder ça comme ça après en fin de semaine. Qualifier ça de gros festival du motocross au Québec et ça dure 4 jours. C'est 4 jours, c'est bon, tu sais, on a un humoriste le vendredi, on a un orchestre le samedi soir, on a un DJ le jeudi, on a des jeux pour les enfants. C'est un happening, les gens viennent camper, sont en famille. C'est vraiment un esprit festif. C'est pas juste les courses. Oui, les gens sont là pour les courses, mais c'est une grande famille, le motocross, puis c'est leur gros party qui se fait à Deschambault là, cette semaine. Puis on est fiers de ça, d'avoir tous ces gens-là. Là. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.